Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui notre thème du jour est Crois-tu que Dieu peut sauver ton mariage Bonjour à tous. Bonjour Evelyn. Oh. Ça va bien ce vendredi matin Super, très bien. Super, hein, génial, un bon thème pour finir la semaine. On sait que même les couples chrétiens passent par des temps difficiles des fois, ont des périodes de crise. Et on va voir aujourd'hui que Dieu peut intervenir, qu'il y a de l'espoir et nous aurons en deuxième partie d'émission le témoignage de Jessica et Sylvain. Jessica, vous l'avez rencontrée la semaine dernière dans la rubrique C'est mon histoire et ben c'est la suite de son histoire parce que y avait trop de choses à dire en fait et après sa conversion, après son salut phénoménal pardon. Eh bien elle va se marier et vous allez voir que euh, on dirait un petit peu un roman comme je Oui. <laughs> vous allez voir qu'il y a beaucoup de suspense. <laughs> Et leur mariage va rencontrer mmh. un gros défi et vous allez voir comment Dieu est intervenu, j'en dis pas plus parce que c'est de façon très surprenante et Dieu a plein de façons dont mmh. il peut intervenir mais c'est une magnifique histoire qu'on découvrira donc en deuxième partie d'émission. Avant ça Nadine, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un, je vais encourager une épouse qui passe par des temps difficiles dans son mariage, un époux qui n'arrive plus à voir si vraiment le mariage va tenir et vous dire que oui, votre mariage va tenir, oui, votre mariage va être restauré, oui, Dieu peut sauver votre mariage et votre mariage est restauré pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on se met ensemble, lorsque deux personnes vivent bien ensemble, jamais personne ne se met ensemble avec le désir de dire un jour on va se séparer, non. Jamais dans un mariage, dans une célébration, on va voir le couple en train de se dire bon, euh, si on se sépare, voici ce que je vais prendre, voici mmh. ce que tu vas prendre, non. Quand on se met ensemble, on se met toujours avec l'idée qu'on est ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'ailleurs, même ça fait partie de nos vœux. Et alors quand le vent vient, rappelons-nous qu'on est ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Rappelons-nous que Dieu qui a scellé cette union, il est fidèle et juste pour amener cette union jusqu'à la fin. Il a amené cette union jusqu'à bon port. Pas l'amener avec des pleurs, pas l'amener avec des regrets, mais l'amener vraiment avec la joie, avec la paix, avec l'amour qui doit caractériser les mariages chrétiens. Alors je veux vraiment vous dire à vous qui souffrez dans votre mariage que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous restez dans cet état-là et que Dieu, non seulement ils peuvent sauver votre mariage, mais il veut intervenir. Et la Bible dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. En vain. Mmh. Et peut-être vous vous dites, mais j'ai déjà tout essayé. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai vraiment fait tous mes efforts, mais il n'y a rien qui se passe. Mais Dieu dit que vous travaillez en vain si Lui, il ne bâtit pas. Donc ça veut dire qu'il veut s'insérer. Il veut aussi être là. Et il vous dit que si Lui bâtit, ben ça va, tra ça va, ça va fonctionner. Oui, il y aura des choses à faire de votre côté, mais Lui, s'il est là, si Lui bâtit avec vous, ça va fonctionner, ça va marcher. Et vraiment, je veux vous inviter à inviter Dieu. Dans cette vie, dans cette, ce, ce couple qui était peut-être en lambeau en ce moment en disant que le, le, le chaos de votre vie ne fait pas fuir l'éternel. Au contraire, la Bible dit qu'au commencement, Dieu, Dieu était là alors que la terre était au, alors qu'il y avait un chaos. L'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc, ça veut dire que, en ce moment, alors que votre mariage est un chaos, Dieu peut venir. Ce n'est pas trop en désordre. Oui. Ce n'est pas trop mort pour que Dieu ne puisse pas venir. Ce n'est pas trop assez, pas assez beau. Des fois, on a l'impression qu'on doit amener au Seigneur quelque chose de déjà bien fignolé pour qu'il puisse venir. Non. Donc, dans ce désordre-là, dans cette infidélité, dans ce manque de pardon, dans toutes ces, ces choses qui ont créé des blessures dans votre couple, Dieu peut venir encore. Et vraiment, je vais juste vous poser la question, est-ce que vous 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 attendez à ce que Dieu intervienne dans votre couple. Est-ce que vous, vous vous dites encore que Dieu peut faire quelque chose Ou bien vous parlez au jeu Ou bien vous êtes déjà en train de faire des calculs de comment on va temporiser euh, les, 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 les effets du mariage Parce que des fois, on ne se sépare pas, mais on fait, chacun vit sa vie. Et mmh. puis on devient des collègues, on attend que les enfants grandissent. Et puis bon, chacun, on connaît les zones dans lesquelles on doit se rencontrer. Mais vraiment, non, Dieu s'attend à ce que vous vivez un mariage qui est heureux, qui est épanoui, que vous marchez main dans la main. Et c'est encore possible malgré les blessures malgré les mauvaises décisions, malgré peut-être des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui étaient graves. Il n'y a rien de trop grave, il n'y a rien de trop impossible. Et vraiment, le but de ma pensée ce matin, c'est tout simplement de vous encourager à reparler au « nous ». À, à repenser à vous comme une unité et non comme deux individus. À repenser à vous comme une unité. Et il y a ce verset que j'aime beaucoup, en fait, c'est dans Luc 2, verset 48, je vous, je vous le partager, c'est de Marie, euh, Marie et Joseph alors qu'ils ont perdu Jésus, on connaît cette partie, et euh, la Bible dit que quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse il a dit, ton père et moi, nous te cherchions. Ils ont vécu une crise pendant trois jours. Ils ont pas vu ou savait savaient pas où était l'enfant. Ils ne se sont pas pointés du doigt. Ils n'ont pas cherché à savoir si c'est la faute de qui, qui l'avait vu en dernier. Non. Ils ont parlé au nous. Donc pendant les trois jours qu'ils cherchaient, ils se disaient, Marie, t'inquiète pas, on va le trouver. Joseph, t'inquiète pas, on va le retrouver. Ils étaient au nous au travers de cette crise. Et c'est ce que je veux vous appeler à faire. Alors que vous traversez peut-être une, une crise, une épreuve dans votre couple, parlez au nous. Nous allons trouver une solution. Dieu est avec nous. Notre couple va aller de l'avant. Nous ne serons pas une statistique. Au contraire, notre mariage va être restauré pour la gloire de Dieu. Amen, Amen. 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 Il y a de l'espoir. Merci Nadine. C'est encourageant de savoir qu'il y a une issue euh, à, à une situation de crise qu'on peut être en train de traverser, même si euh, dans bien des cas, ça nous paraît complètement impossible. En fait, on se dit, mais de toute façon, là où j'en suis, ce, notre couple, est allé, on est allé trop loin. On aurait mmh. dû se ressaisir avant, on aurait dû intervenir avant, mais là, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que ça dure. C'est trop tard. Ou cet événement qui s'est passé est trop grave, cette situation est trop grave pour que je puisse pardonner, pour que je puisse à nouveau regarder mon mari ou ma femme avec amour. Euh, y a, dans mon cœur, il y a trop de choses, c'est impossible. Et aujourd'hui, le but de cette émission, c'est de vous redonner de l'espoir, à savoir que c'est encore possible, mais il faut qu'on le veuille. Il faut une participation. Dieu ne va pas faire les choses à notre place. Dieu va nous montrer le chemin à suivre. Euh, parfois, ce sera un chemin de pardon, parfois, ce sera un, che un chemin de changement, parfois, un chemin de repentance et parfois, un chemin de beaucoup, beaucoup de choses <laughs> en même temps. Et c'est souvent ça. Mmh. Mais il y a un chemin, en fait, que Dieu veut nous montrer. Mais il faut, il faut qu'on le veuille et qu'on sorte d'une façon de voir les choses en se disant. Pour que Dieu puisse intervenir dans mon couple, ça doit forcément se passer comme ça. Il faut que lui ou elle fasse ça. Il faut qu'il se passe tel événement. Il faut qu'on vive ça. Et on peut passer à côté du plan que Dieu a pour nous. Euh, notre verset du jour, qui est le Proverbe 3.5, nous dit ⁇ Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Mmh. ⁇ Je crois que quand on a un couple euh, en miettes, il faut apprendre à ne plus s'appuyer sur notre intelligence, à ne plus être dans des raisonnements humains en se disant ⁇ Bon, alors euh, si c'est passé telle chose, telle chose, c'est fi fini. Le raisonnement humain euh, est rarement rempli d'espoir. Mais la Bible, par contre, le raisonnement de Dieu mmh. qui est communiqué au travers de sa parole est rempli d'espoir et puis nous ouvre une porte à un chemin qu'on n'avait même pas pensé qu'on pourrait emprunter. Mmh. 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 Lorsqu'on vit justement dans des difficultés dans son couple et justement on arrive à cette étape où est-ce qu'on n'a plus d'espoir, notre intelligence va d'ailleurs même nous donner des faux plans. Mmh. Elle va nous induire en erreur, elle va nous amener dans de la confusion, tu vois. Mais lorsqu'on se confie en Dieu, lorsqu'on revient sur sa parole, ben D'abord, la volonté de Dieu, c'est que notre couple soit épanoui. Mm -hmm. La volonté de Dieu, c'est qu'on reste ensemble. La volonté de Dieu, c'est qu'on élève nos enfants. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit heureux, soit on, on rentre dans la destinée que Dieu a pour nous. Et ça, c'est vraiment très important. De, des fois, on est en mode, comme tu dis, dans nos propres raisonnements. Nos propres raisonnements vont nous amener soit en mode à la défensive, de ben, j'ai tout fait pour elle, j'ai tout fait, j'ai tout fait pour lui, je l'ai soutenu dans ces temps difficiles, j'ai tout fait pour elle. Ou bien dans le, 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 la position de victime. Voilà, vraiment, né, 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 et puis on se lamente. Mais ces deux raisonnements, ces deux, mmh. ces deux façons de faire ne vont pas nous sortir de, de ces problèmes-là. Ouais. Ne vont pas, ne vont pas nous sortir de là. Au contraire, maintenant, on va se justifier basé sur cette position pour s'ancrer encore dans notre prise d'opposition, dans notre façon de regarder notre mariage. Et notre mariage ne va que sans que, que qu à la dérive mmh. en fait. Mais si on fait table rase de tous ces raisonnements et qu'on se dit en fait non, ma propre perception des choses n'est pas bonne. Il faut déjà avoir cette humilité de dire ok, peut-être que ma perception n'est pas la bonne. Je suis peut-être dans la confusion. Je reviens devant le Seigneur et je viens dans sa parole pour trouver qu'est-ce que Dieu dit. Si j'ai du mal à pardonner, ben c'est clair que Dieu nous demande de pardonner. Donc ça veut dire que moi, ma perception, il y a quelque chose qui doit changer. Mm -hmm. Il faut que j'amène ça au pied de Dieu pour que lui me transforme pour arriver à ce point où je, où, où, où je pardonne mon mari, où je pardonne ma femme, où je, 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 je l'aime, j'arrive à vraiment à la regarder avec un regard d'amour. Toutes ces choses-là, en fait. Il faut vraiment amener notre cœur vraiment devant Dieu pour qu'il puisse juste déjà amener cette lueur d'espoir de dire non, c'est encore possible. Mm -hmm. C'est pas possible par mes propres calculs, c'est sûr, c'est certain, mm -hmm. mais c'est possible par la puissance de Dieu. Mm -hmm. Et là où c'est quelquefois difficile, c'est quand on a déjà cru en fait, on a prié, on a jeûné, on a vraiment on s'est dit bah là Dieu va le faire et on est un peu comme Marthe et Marie. Quand Jésus arrive et puis il dit bah si t'étais venu avant bah, mmh. notre frère serait pas mort en mmh. fait mmh. et euh, et mais Lazare est revenu à la vie et il y a des couples qui ont besoin de plus qu'une qu restauration qu'une réconciliation, il y a besoin d'une résurrection oui, oui, la vrai. Vrai. et quand on est au fond du trou dans son couple du désespoir mais c'est mort c'est mort il y a la résurrection qui est possible mmh. et marthe et Marie avaient des raisonnements limités euh, en disant bah si t'étais intervenu plus tôt ça aurait été possible. Possible, parce mm -hmm. qu'elles n'avaient elles pas envisagé cette résurrection. Elles n'avaient pas envisagé mm -hmm. vraiment le miraculeux qui mm -hmm. ne dépendait pas d'elles, qui mm -hmm. ne dépendait pas de Lazare, mais c'était juste Jésus qui mm -hmm. agissait. Et il euh, y a des couples, c'est sûr, c'est plus le temps de se lancer des pierres, de comment, pourquoi le miraculeux doit prendre place et c'est de laisser Jésus faire ce qu'il a à faire et de le laisser ressusciter, littéralement mm -hmm. ressusciter le couple. Amen. Mm -hmm. euh, Nadine, Omer, vous êtes mariée depuis pas mal d'années Ah bon Oui. <laughs> c'est 33 ans là vous fêtez 17 ans de mariage. 33 ans. 17 ans. 17 ans. 17 ans. Il y a 17 ans à votre mariage Nadine ton oui, beau-frère mon beau-frère a donné un frère. super bon conseil. Un super conseil, c'est une citation de Saint Augustin alors qu'il a pris la parole à la soirée, c'est lui qui faisait le discours pour la famille Domer. Et il dit, euh, cette citation qu'on connaît très bien de saint Augustin, prie comme si tout, tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépendait de toi. Mmh. Et ça a été vraiment, je trouve ça, c'était une, une des phrases, franchement, que je me suis rappelée euh, mmh. pour toujours. Hein. Ce discours-là qu'il a donné, et quand le, le, la, la prédication du pasteur le matin, qui était sur la, la fondation, la maison fondée sur l'Europe, moi, je m'en rappelle toujours. Mmh. Et c'est vraiment ça qui doit être notre. notre notre raisonnement, notre raisonnement, surtout quand on vit des choses difficiles dans le mariage. Oui, il y, y a un aspect de la prière, on va en parler pendant le pendant la discussion, mais l'aspect de travail. Comme si tout dépendait de toi, ça veut dire que maintenant que tu es, les choses sont sont, sont, sont en dessous dessous. Travaille pour reconstruire ton couple. Toi-même d'abord, par ton langage, par un langage de foi, comme comme Annabelle a partagé, par un langage qui qui n'est pas dans la critique. Quand tu sens la critique monter. Ferme tes lèvres. Vraiment, dis-toi non. Je dois reconstruire ce mariage. Doit fonctionner. On n'est ouais. pas une statistique. Nous allons nous en sortir. Ouais. Et vraiment, c'est déjà toi-même dans ta dans ta chambre, dans ta maison, de parler avec amour, de parler avec foi, de demander pardon. Tu vois, de demander pardon. Tu dis, écoute. Je ne sais, sais pas si c'est ta faute, c'est ma faute. Or, au point on en est rendu, ce n'est plus le temps de se lancer des pierres. Mais je te demande pardon, j'ai envie qu'on aille de l'avant. Je, je suis sûre qu'on peut trouver une solution à ça. Et des fois, c'est juste ça. Hein. Mm. L'autre personne n'attend que tu puisses juste dire ces petits mots qui vont juste ouvrir la digue de tout, en fait, pour que voilà, le, 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 le pardon arrive, que le, le, la, réconcilia, la réconciliation arrive, que l'échange arrive, mais vraiment dans ces petites ouais. choses-là. Et des fois, il y a des personnes, j'en parlais avec toi avant l'émission, moi j'ai connu des couples qui se sont séparés. Et tu te dis maintenant quand ils te disent la raison de leur, de leur, de leur séparation tu te dis mais si vous aviez parlé mmh, si oui. vous en avez dit si vous aviez appelé à l'aide oui. et travaillé pour son couple c'est ça des fois vous avez besoin de consulter consulter un thérapeute chrétien consulter votre pasteur des personnes de foi des personnes qui croient au mariage mmh. qui croient que Dieu restaure des personnes qui vont vous dire non ça oui. ici là c'est une, une ça a l'air d'une montagne pour toi parce que tu es au, au pied de la montagne oui. mais moi qui suis en haut je dis que c'est tu peux la gravir, il n'y a pas de souci. Et vraiment, c'est ça, de ne pas s'isoler. Et des fois, vous voyez des gens qui disent, mais non, tout ça, c'était récupérable, tu vois. Vous avez des... c'est vraiment important de dire, non, je dois travailler à ce que mon couple avance, je dois être intentionnel dans les petites choses et vraiment de, de célébrer ces petits pas-là, de dire, OK, aujourd'hui, peut-être, on ne se parlait plus. Il y a des couples vraiment qui sont en point où est-ce qu'ils ne se parlent même plus, hein. Ils se parlent au travers des ouais. enfants. Était dans la maison avec quelqu'un, ça fait un mois, ça fait trois semaines, vous vous adressez à peine la parole. Mmh. Mais de dire, OK, le jour où vous êtes parlé, OK, c'est une petite victoire. On s'élève petit à petit. Dieu va nous faire sortir de là. C'est pas vrai que mon couple va mourir. Ça, faut vraiment mmh. se le dire. Mmh. No way. Impossible. <laughs> mon couple va aller de l'avant, mon couple va, va, va ressusciter. En fait, euh, si je peux me permettre, en fait, euh, j'aime l'intensité avec laquelle Nadine parle. <laughs> j'essaie de voilà. contrôler ma voix, j'arrive pas. Ah, T'es en train de voilà. la contrôler, là. <laughs> j'essaie, j'essaie. En fait, Mais c'est parce que tu mets tout ton cœur. Oui. <laughs> on est souvent prêt à se battre pour sa carrière. Mm. Mais on n'est pas souvent prêt à se battre pour son couple. Mmh, c'est ça, ça qui est en fait dommage. On, on se bat pour des choses, en fait, finalement, qui vont passer. Mais on n'est pas prêt à se, à se battre pour dire, ça doit marcher, je vais faire les efforts pour que ça marche. On a posé, on a fêté le, les noces d'or de nos parents en fin de semaine. Mmh. Noces d'or, pour ceux qui ne savent pas, c'est 50 ans de mariage. Glorieux. Et, mmh. Exactement, c'est glorieux, c'est héroïque. Mmh. Ah, et on leur a posé la question par plusieurs personnes, mais quel est la, le secret de la longitivité de votre mariage mm -hmm. Et il a dit, le secret, c'est simple, pardonner, mm -hmm. reconstruire. Mm -hmm. wow. Et donc, il y a la partie où l'homme, en tant que chef, doit marcher sur son orgueil, mm -hmm. doit marcher sur son moi mm -hmm. et dire, je veux me retrousser les manches mm -hmm. de la même façon que je veux réussir ma carrière. Ben, je veux le faire. Il y a la partie où la femme va se retrousser les manches et va le faire. Mm -hmm. Parce que pour que Dieu intervienne, ben, Dieu veut trouver des hommes qui sont disposés mm -hmm. à cultiver leur jardin d'Éden. Mm -hmm. Dieu dit à Adam, cultive le jardin. C'est pas les anges qui vont le cultiver. Mm -hmm. Et le, le mariage, c'est une des choses la, la, les plus, plus difficiles au monde. Mm -hmm. C'est complexe. Il n'y a pas un schéma clair. Il y a des moments où tout est brouillé, rien n'est clair. C'est juste un pas à la fois, un jour à la fois, un bonjour à la fois, mm -hmm. un sourire à la fois, et puis euh, voilà, un dodo à la fois. Et voilà, et si on ne fait pas l'effort, l'effort conscient, mais que j'attends que ben, l'autre va tout faire, l'autre va payer les factures, l'autre va me dire bonjour, l'autre va être gentil, mm -hmm. l'autre va être ici, l'autre va être cela ça marche pas. Ouais. Et le secret c'est ça, il y a aucun mariage qui est parfait, les mariages qui survivent, qui se relèvent, c'est là où ben on apprend que on pardonne, on se réconcilie, ouais. puis on rebâtit ouais. avant même que Dieu euh, ne puisse euh, ne puisse le faire et la Bible dit que si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent, ça veut dire pas celui qui bâtit ceux, Mmh. Ceux, ceux, ils il doit avoir, ouais. voilà, il doit avoir ceux, ils doivent bâtir ensemble. Merci. Pas un bâti, l'autre détruit. Mmh. Pas un bâti, puis l'autre. Voilà. 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 Et souvent, souvent, euh, beaucoup de gens se, se cachent derrière leur grande famille ou derrière leur culture pour débêter ben, moi ma culture. Mm -hmm. Vous savez, quand quelqu'un est en train de se noyer dans une piscine, il n'y a plus aucune culture qui compte. Il faut juste <laughs> aller sauter, sauver <laughs> la personne. Et vrai. parfois, ben, notre mariage, c'est cette personne qui est en train de se noyer mm -hmm. parce qu'on est devenu un par l'union du mariage. Mm -hmm puis à un moment donné, ben il faut juste sauter dans la piscine, puis mmh. aller chercher cette personne-là. Mmh. Et souvent on va dire, ben moi ma culture. Mmh. Est-ce que tu préfères respecter ta culture et perdre ton mariage, mmh. ou tu peux faire tout faire pour sauver ton mariage mmh. Et c'est le défi en fait que euh, plusieurs personnes ont aujourd'hui. Mais si nous croyons que Jésus guérit les malades, qu'il ressuscite les morts, on doit croire aussi, comme Annabelle l'a dit, qu'il ressuscite aussi les mariages. Amen. 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 Ouais, ça revient tout ce que j'entends, hein. puis c'est ce que j'avais sur le cœur depuis le début. C'est ce passage qui dit l'humilité précède ou apporte ou manifeste la gloire, mais mmh. l'orgueil précède la chute. Mmh, oui. Puis il y a des carabasses qui doivent briser. Il y a des hommes qui nous écoutent présentement et qui sont trop orgueilleux, comme Omar le dit. Il y, y a des couches et des couches et des couches d'orgueil qui sont là pour ex raisons à cause de leur entourage et tout ça mais il faut vraiment que ça l'éclate Nadine tout à l'heure parlait comme d'une digue qui explose c'est vraiment l'image qu'on a aujourd'hui c'est ça je crois que ça parle à plusieurs personnes c'est cette carapace d'orgueil autant homme que femme doit éclater parce que c'est l'humilité qui va apporter la gloire de Dieu dans votre couple en fait mm -hmm. tout simplement et puis ça qu'on saisit on le croit et on l'applique, on le voit. La parole, c'est la parole, c'est la vérité. Rien de plus à ajouter, c'est tout. Mm. L'humilité va apporter la gloire de Dieu à différents niveaux. Mm -hmm. Et on doit l'appliquer. Et, et Dieu ne bâtit qu'avec les matériaux qu'on lui donne. Ouais. Si on n'apporte pas certains matériaux à Dieu, <laughs> Dieu fait des miracles. Mais Dieu bâtit avec le premier matériel, ben c'est notre bonne volonté. Mm. Je veux que ça marche. Je suis là pour que ça marche. Je fais tout pour que ça marche. Je suis peut-être mm. pas parfait, mais je fais. C'est je veux. Et Dieu, Dieu prend le premier matériel qu'on lui donne, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi, mais n'ont pas la bonne volonté. Mmh. Puis ce pas des vrais joueurs. Mmh. Ils ne sont pas. Non, je veux que ça marche, c'est le premier matériel. Et en donnant à Dieu ces matériaux-là, et moi j'ai vu, vu euh, des, des changements radicals quand l'homme s'est levé pour dire ben oui, je vais rentrer du travail plus tôt, puis je vais être là mmh. avec ma femme, je vais être là avec mes enfants, mmh. au lieu de perdre ma soirée avec mes amis. Mmh. Voilà. Et euh, vraiment, c'est drôle que, que Frank parle d'humilité. Je, je sens vraiment que le Saint-Esprit travaille dans cette émission et je sais qu'il y a des personnes à la maison que vous vivez des, de, un chaos dans votre couple. Et vraiment, cette émission, ce témoignage, va être comme la, la, le boost qui va vous aider alors qu'on part en fin de semaine, en, en week-end, là à prier pendant le week-end, à poser des actes, vraiment que le Saint-Esprit vous inspire. Des fois, ça peut être, tu sais, euh, mon mère vient de parler d'un de, homme qui rentre plus tôt à la maison. Des fois, c'est des petits gestes comme ça de dire, ouais. je vais la déposer. Et c'est le temps en voiture ensemble mm -hmm. que vous allez juste parler de tout et de rien, peut-être parce que vos conversations sont devenues tellement difficiles, Tendu, tendues. Hein. Vous êtes en auto, puis vous voyez quelqu'un passer, ça vous fait rire. Et ça juste amène autre chose, cette proximité-là. Vous vrai. êtes même plus habitué à s'asseoir l'un à côté de l'autre, à sentir l'odeur de l'autre, à sentir la présence de l'autre. Donc, vraiment, en week-end, alors que... Que vous allez dans ce week-end prier alors que vous avez suivi cette émission, que Dieu vous inspire vraiment des, des choses à faire. Et la Bible dit que, parce qu'on parle de, du couple et des problèmes de couple, et des fois, tu as dit dans, dans le verset, je crois, avant d'en parler, on voit plus la faute chez l'autre. Mmh. Mais vraiment, il y a un travail aussi qui doit être fait en nous. Et la Bible dit dans le proverbe 27, verset 17, que tout comme le fer aiguise de fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et quand on vient pour prier pour le couple, j'ai vraiment la, le, euh, à cœur de dire aux gens. Ne priez pas comme le pharisien et le publicain. Des fois, on prie comme ça, on ne prie pas avec humilité. On prie pour dire, Seigneur, j'ai tout investi. Regarde comment j'ai fait pour elle. Je l'ai mis dans la plus belle maison, elle n'est pas reconnaissante. Ou bien je l'ai encouragée dans tous ses projets et puis il, il n'est pas reconnaissant. Mmh. On prie comme ça, on prie en accusant et non pour dire, Seigneur, regarde-moi. Où est-ce que je peux être une meilleure repose Où est-ce que je peux être un meilleur repos mais... Et vraiment, je vous amène à, à, à changer ça, à avoir cette humilité de dire non. J'ai pas la science infuse. Il y a... Un, il y a un, un endroit peut-être Seigneur, tu peux encore travailler en moi pour que ça décolle vers lui. Et, de, et là maintenant, Dieu va travailler en vous, Dieu va travailler en vous, Dieu va vous changer, Dieu va vous amener à une nouvelle perspective des choses, avoir un langage d'amour. Peut-être tu te rends pas compte que tu parles durement, tu es froid. Des fois, c'est des petites choses comme ça que l'autre n'arrive pas à t'expliquer. Et c'est dans ces petites choses-là que tu dis, OK, Dieu va t'amener à, à, à refléter sa gloire en fait. Et là, ça va, ça va toucher l'autre et votre mariage va être restauré. Et ça, c'est vraiment important, de oui, de prier pour son couple. Il y a récemment, dans Prière inspirée, le pasteur Gladys et pasteur Pat, mm -hmm. ils ont fait une série comme Waouh sur euh, le couple épanoui. C'est tellement bon cette série-là. Je vous invite à l'écouter. Il y a d'autres séries aussi, même dans Paroles de femmes, qui ont été faites sur le couple. Juste, de vraiment. Euh, dans Vie de foi, oui. bah, mon beau-frère. Euh, Anthony et Stéphanie euh, ont on raconté leur témoignage, mm -hmm. comment Dieu a restauré leur couple. Oui. Et ils étaient. Euh au bord du divorce mais Dieu a sauvé leur couple ouais. Dieu l'a refait et je pense c'est le genre de témoignage qui peut aussi nous encourager si Dieu l'a fait pour eux Dieu le fera pour nous aussi mm -hmm. amen. exactement amen amen et vraiment c'est ça te dire que c'est je fais partie de l'équation de la restauration non, amen c'est pas juste l'autre personne moi aussi je suis cette, dans, dans cette équation-là qui, qui, qui amène à la restauration de mon couple. Donc, oui, je vais prier pour ma femme ou mon mari, peu importe qui vous êtes. Oui, je vais prier pour euh, que la volonté de Dieu, que la, la volonté de Dieu parfaite, qu que mon couple soit épanoui, se manifeste dans ma vie. Mais je vais aussi prier pour moi. Seigneur, garde mon cœur. Donne-moi l'espoir. Mets l'amour en moi. Mm -hmm. hein, l'amour de Dieu répandu dans, dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mm -hmm. cet esprit remplit-moi que je déborde d'amour, que ma réaction soit une réaction d'amour, que vraiment que je... je, je j'ai de l'amour envers l'autre. Et vraiment, Dieu, Dieu fait des choses extraordinaires. Mmh. Dieu fait des choses miraculeuses. Mmh. Et c'est la volonté de Dieu que nous tous aussi, nous nous retrouvons à 30, 50, 60 ans, 100 ans de mariage, peu importe mmh. les années que Dieu va vous donner. C'est très long sur quand terre. même, 100 ans. J'ai vu un couple comme ça qui était marié depuis, je pense qu'ils sont mariés comme à 19 ans, puis ils avaient comme dans les 120. Wow. Fait ils ont fait 100 ans de couple. C'est possible. Amen, amen. Je reçois. Mais ce n'est rien. Ce n'est rien 21. J'espère que j'y arrive. En tout cas, le couple qu'on va découvrir dans la rue Roux, c'est mon histoire. n'ont pas fêté leur 100 ans de mariage <laughs> encore. Mais c'est un magnifique couple. Et je vous laisse découvrir leur histoire. On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois un couple et donc ce sera un C'est notre histoire. Sylvain et Jessica, bienvenue à tous les deux. Merci, Merci beaucoup. Jessica, <laughs> nos chers téléspectateurs te connaissent maintenant. On l'avait dit la semaine dernière. Il y aurait une suite à cette histoire extraordinaire de ta conversion. J'en profite si vous n'avez pas entendu son histoire. Allez écouter la rubrique C'est mon histoire de la semaine dernière. Ça vaut vraiment la peine. Et donc là, tu nous as amené ton mari. Merci, Jessica. <laughs> avec plaisir. <laughs> Aujourd'hui, on va voir ce que Dieu a fait dans votre couple, euh, qui aurait pu vraiment être vraiment complètement brisé, détruit, mais Dieu en avait décidé euh, autrement. Et euh, toi, Sylvain, euh, pour te présenter rapidement, tu es fils de pasteur, donc tu as grandi dans, dans l'église, mais c'est pas pour autant que tu as toujours marché avec Dieu. Hein. Tu me disais, tu étais comme un petit peu un pied dedans, un pied un pied dehors. Oui, tout à fait. C'est vrai que euh, j'ai grandi dans ce dans le milieu évangélique et j'ai toujours entendu la parole de Dieu. J'ai toujours assisté aux prédications, mais en grandissant, c'est vrai que ben j'ai eu un décrochage. Mm -hmm. Et puis je suis rentré dans la rébellion. J'ai touché à toutes sortes de choses. Mm -hmm. Le monde m'a tiré mm -hmm. et euh, j'avais pas moi le, le, la force de dire non. Et je me suis laissé entraîner dans le monde euh, en touchant progressivement à la cigarette, au cannabis. Il euh, y avait aussi la petite délinquance. Donc, euh, c'est euh, et en même temps, donc j'étais dans l'Église et je suivais les conférences de jeunes, etc. J'ai ai toujours aimé Jésus, mmh. mais en même temps, j'avais un pas dans le monde et je n'arrivais pas, moi, à expérimenter l'Évangile de manière durable et profonde. Mmh. Alors que toi, Jessica. Euh, on s'en souvient, la semaine dernière, tu nous as expliqué comment Dieu te visite à l'âge de 15 ans. Donc, mmh. tu rentres à la Réunion, tu amènes au Seigneur euh, la moitié de l'île. <laughs> beaucoup de membres de ouais. ta famille. Ouais. Et euh, tu, tu grandis, tu finis ta scolarité et euh, tu décides de faire une école biblique parce que tu sais dans ton cœur que ouais. tu vas servir Dieu. Oui, tout à fait. Euh, J'en suis convaincu et je veux me faire former. je veux... Je veux connaître la parole, je veux voilà euh, connaître le Seigneur, et, euh, et aussi ce qui va suivre rapidement, c'est euh, avec qui me marierai-je. Et bien sûr, bien <laughs> sûr. C'est là que vous vous rencontrez tous les deux. Comment oui. ça se passe cette rencontre rapidement Alors moi, je suis à l'île de la Réunion. J'ai quitté mes parents. On est en 2002. J'ai 21 ans. Je suis revenu à la Réunion pour faire la fête, clairement, okay. pour m'amuser. Je veux fuir le monde chrétien. Je veux fuir mon foyer. Et puis euh, il se trouve que je rencontre Jessica. Et là, quand je la rencontre, j'entends une voix très forte de mon cœur qui me dit Regarde-la bien, c'est ta femme. Comment tu réagis à ce moment-là bah, C'était fort, c'était comme un coup de tonnerre dont je ne pouvais pas ignorer. Mm -hmm. Donc, nécessairement, euh, je, je, et moi, je n'étais pas venu pour. pour. pour, euh, pour j'ai pas d'ambition de, de, de marier mm. ou quoi que ce soit, mais c'était quelque chose de fort en moi. Et là, j'ai dit non. Au fond de moi, j'ai dit non. Euh, non, c'est pas ça, ça me convient pas euh, et je, je peux même dire euh, en moi j'ai dit euh, non non je crois que c'est une erreur de casting euh, non 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 <laughs> c'est pas ça je ne veux pas ça et donc euh, mais en même temps on a appris à, à se connaître il y a une forte amitié qui, qui est née entre nous et euh, donc il y avait toujours ça de mon cœur et au fur et à mesure on s'est rapproché on s'est on s'est vraiment apprécié l'un et l'autre mmh. et on a développé une vraie amitié et toi, Jessica, toi, tu voulais épouser un chrétien qui va servir Dieu avec toi. C'était ouais. vraiment important pour toi. Donc tu rencontres Sylvain. Est-ce que tu dis, est-ce que ça peut vraiment être mon mari non. Euh, non. Alors, alors, alors moi, je... c'est clair, Sylvain. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je, je voulais pas être juste avec un chrétien. Je voulais vraiment un serviteur de Dieu, parce que je, je, je savais que le Seigneur me voulait à, à, à côté d'un homme qui allait le servir. Et, euh, et je me disais, voilà, Sylvain est très sympathique, très beau garçon. Mais sur le plan spirituel, c'est pas possible. C'est pas ça. Et donc moi, je suis en vacances, hein, juste à la Réunion, parce que je suis à, à Nîmes à l'époque. Euh, je finis mon école publique, je rentre à la Réunion, je rencontre donc Sylvain. Mais ce premier jour, quand même, j'ai une voix qui me dit pas du tout que c'est mon mari, mais euh, je sens comme si que le Seigneur me dit ce garçon, s'il revient à moi, mm -hmm. je vais faire de lui vraiment un serviteur. Ça va être vraiment euh, comme une bombe dans le camp de l'ennemi. Et c'est vraiment cette parole que j'ai sur mon cœur. Alors je me dis, ben là, je me sens dotée d'une mission, j'ai un mois et demi pour le ramener au Seigneur. <laughs> Donc c'est ce que je vais essayer de faire. C'est ça, et tu y parviens partiellement, partiellement. Toi Sylvain, tu vas donc, je, je vais raccourcir un tout petit peu pour qu'on puisse avancer. Toi tu vas te rapprocher de Dieu quand même, ce qui va te rassurer. Toi Jessica, vous décidez de, de, de vous fiancer malgré hein, une période un petit peu difficile. On se quitte, on se remet ensemble. Toi tu, c'est quand même pas facile pour toi Jessica, mais finalement après un an de fiançailles et quand même une bonne conviction de Dieu, vous vous mariez, c'est ça Oui, tout à fait, tout à fait. Je décide de faire confiance à cette voix et puis je me lance, mais sans euh euh, non pas sans conviction, mais ayant quand même en, en moi le, 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 des insécurités qui sont fortes. Je sais que je, je transporte ça de, 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 de travers en moi et je ne suis pas sûr que je pourrais, moi, être à la hauteur mmh. de la chose. Et là, ça devient sérieux, on se marie. Mmh. Et là, comment ça se passe, euh, ces débuts de mariage ben, On est heureux euh, les premiers jours, hein, euh, ça va. Mais quand même, les jours passants euh, j'ai quand même aussi des petites insécurités, moi, qui, qui, qui naissent, hein, comme ça, je je vois que mon mari euh, regarde quand même d'autres femmes je le remarque même si on n'en parle pas vraiment mais je me dis bon bah, ça, ça passera euh, on a des petits sujets des fois un peu épineux et puis euh, très rapidement en fait au bout de quatre mois on est dans notre cuisine en train d'échanger puis ça le ton monte et puis euh, on se dispute très clairement et puis il m'annonce euh, il me dit écoute euh, j'aimerais que ça cesse je veux divorcer wow. Voilà, je ne pense pas t'aimer comme il le faut et je voudrais que ça s'arrête maintenant. Voilà, c'est le chaos, c'est le, le ciel qui, qui me tombe sur la tête, comme on dit. Toi, tu es sérieux, Sylvain, à ce moment-là vraiment À ce moment-là, tu as vraiment envie de divorcer bah, je, je sais plus par dépit. Ouais. Hein, c'est parce que je, je, je ressens que moi, je ne pourrais pas être à la hauteur de ce qu'elle attend de moi. Je ne pourrais pas la rendre heureuse. Je, je, je n'arrive pas à l'accepter telle qu'elle est et euh, bah, je suis malheureux de ça et en même temps je la vois que je la fais souffrir et puis euh, bah, voilà je, je, je prends cette je prends cette décision mais sans l'acter mm -hmm. et, et ça ça va durer des semaines et des mois et des mois et on jusqu'à ch faire chambre à part hein. chambre à part on a plus de relation c'est compliqué c'est c'est conflictuel et euh, je ne le vis pas bien, et, et, et elle encore moins. Mais non, c'est ça. Toi, Jessica, tu es, es en miettes. Oui. Et finalement, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, tu tombes vraiment en face contre terre devant Dieu ouais. et, euh, et en larmes devant le Seigneur. Dieu ouais. te parle. Oui, Dieu me parle. Ouais. Je suis dans ma chambre et, et tout de suite, Dieu va me, va me dire euh, « Tu vas devoir changer, toi. Oh. » oh. Alors là, je me dis « Il doit y avoir une petite erreur. <laughs> »« Seigneur, je crois que tu n'as pas bien compris. »« C'est lui le problème. » Et euh, mais je vais vite comprendre que non, non, je veux que tu deviennes une femme vertueuse et tu vas devoir apprendre à l'aimer inconditionnellement, chaque jour, à le servir, à l'aimer. Le Seigneur va vraiment me parler en fait dans sa parole. Comment le faire Tu vois, donc je vais comprendre qu'il y a un chemin à prendre là et que c'est moi qui vais devoir ouvrir ce chemin et que je vais devoir l'accepter dans son état actuel et ne pas vouloir ni mettre de pression, ni vouloir le transformer euh, à mon image. Mm -hmm. et, et, et donc, oui, c'est super c fort, dur. C'est fort, ça, quand même. C'est très fort. Parce que Dieu te demande de faire, c'est ouais, très, très fort. Ouais. Je vais devoir le servir, l'accueillir, il me rejette. On s'assoit à côté, euh, il ne faut absolument pas que j je frôle son bras, parce qu'il me rejette immédiatement. Euh, chambre à part, des mots extrêmement violents, très durs, parce que Sylvain si n'est pas un homme violent. Mais dans les mots, euh, c'était quand même très, très, très dur. J'ai beaucoup, beaucoup souffert à ce moment-là. Mais je sentais aussi une grâce absolument surnaturelle. Wow. Le Seigneur était avec moi. Et je ne voulais rien lâcher. Euh, chaque jour, je, pour moi, je, je me disais, chaque jour était une victoire. Mm -hmm. Parce qu'il partait, qu qu partait pas, c'est ça. Exactement. Tant que tu étais dans la maison, Sylvain, pour Jessica, c'était une victoire. C'est ça. ça. Et moi, j ai, j ai, j ai, si je peux me permettre, oui. j'ai vu qu'elle qu changeait à mon mm -hmm. égard. Elle ne me mettait plus la pression. Euh, en fait j'ai vu un changement euh, radical j'étais indifférent envers elle je n'envoyais que du mal mais envoyais que de l'amour pour moi ça ça m'avait vraiment touché je me suis dit mais wow, même vraiment même si je suis, je, je suis vraiment pas sympa mais euh, à côté j'ai quelqu'un en face qui, qui m'enseigne ce que c'est l'amour ça ça. ça, ça te touche et ça ça m'a touché et euh, franchement euh, bah, c'est ça aussi qui a permis à ce que mon cœur S'attendrissent. Mm -hmm. Exactement, parce que euh, les, les mois passent, ça dure combien de temps Trois ans et demi. Trois ans et demi, donc c'est très très long. <laughs> Soyez rassurés, vous qui nous écoutez peut-être, trois ans et demi c'est long, mais il y a une belle victoire au bout. Oui. Trois ans et demi, et euh, un jour, euh, donc tu t'apprêtes à enregistrer ton premier album, toi, Jessica, parce que donc tu sers le Seigneur dans la louange comme tu l'avais promis exactement, à Dieu, d'ailleurs. Hein. Exactement. Et, euh, et par un concours de circonstances, tu dois Sylvain accompagner Jessica à l'église, justement par rapport à ça. Euh, tu y vas clairement à contre cœur, Sylvain. Moi, j'y vais à contre cœur. Euh, surtout, euh, j'y vais moi pour dénigrer ces chrétiens-là. C'est ça. Ok. Euh, euh, je, je me dis ces gens-là, voilà. Encore une fois, c'est voilà. Est-ce qu'ils vivent vraiment l'Évangile Est-ce qu'ils sont, sont sérieux Est-ce que c'est pas... Et j'y vais pas. J'y vais pas dans une attitude euh, ouverte, euh, mais j'y vais quand même. Et là, il se trouve que bah, j'arrive dans une assemblée où euh, je sens l'amour des gens. L'accueil me touche. Les, les, les louanges. Les, les paroles, euh, ça me touche vraiment, c'est pas du cinéma, c'est du sérieux, c'est authentique. Et puis, euh, on prêche euh, les paroles de Jésus qui disent, voilà, euh, Jésus dit celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Et ça, pour moi, ces versets-là ont résonné dans mon esprit, mais comme une... Euh, une bombe. Comme une bombe qui a explosé au fond de moi et j'ai pas pu euh, bah, jusqu'à l'heure la désamorcer. <laughs> C'est ça parce que tu as compris que toi, tu voulais bien suivre Jésus, mais mais ouais. euh, renoncer à ta vie, prendre euh, ta croix, ça t'intéressait pas plus que ça. Ben bah oui, moi j'ai toujours voulu suivre Jésus, mais comme j'étais. Ouais. Voilà, avec euh, ce qui m'arrangeait, euh, j'aimais bien le message, j'aimais bien le, le, le euh, Jésus, mais voilà, en restant moi-même. Mm -hmm. Et là, je réalisais, en fait, en, 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 en méditant, en vraiment prenant du temps sur ces paroles, que je transportais une nature charnelle, et que cette nature charnelle, qui était l'origine principale de tout le mal qu'on que, que je, que je, qu qu expérimentait, et ça, euh, que, que je ne pouvais pas, moi, vivre la vie chrétienne, si cette nature charnelle n'était pas euh, maîtrisée, mmh. crucifiée, et que je, pour, je, je ne parviendrais pas à vivre pleinement l'Évangile. Et donc là, c'est comme une, une deuxième nouvelle naissance, parce que tu avais connu le Seigneur quand même avant, ou c'est vraiment ta nouvelle naissance bah, ça Je pense que c'est vraiment ma nouvelle naissance. C'est là où je prends le chemin, où j'épouse mmh. réellement mmh. le message de Christ, mmh. et je tombe, j'ai envie de dire, en adoration devant le Seigneur. Mmh. Et là, quand je l'adore, il me montre, il me révèle ce que c'est l'amour. Jésus qui, qui lui-même est l'amour incarné, wow. qui a livré sa vie. Et là, pour moi, euh, bah, tout s'éclaire. J'ai juste à renoncer à moi-même. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est lui qui met en moi le vouloir et le faire. Et c'est lui qui me permet par son esprit d'y arriver, pas par mes efforts. Et là, je commence à, à capituler. Et, sans, sans, et en me tournant vers Dieu, eh ben, je me détourne du mal. Ouais. C'est comme si deux moteurs qui se sont enclenchés en moi. Et euh, je suis rentré dans une repentance qui a duré des mois et des mois et des mois. C'est ça, les dimanches passent, tu vas à l'église, mais tu te repends, tu t'avances aux appels à chaque fois. Tu as besoin vraiment d'abandonner toute ta vie et d'être certain que tu n'as rien, rien gardé pour toi finalement, c'est ça Tout à fait, et surtout j'expérimente une, une vraie liberté, une vraie libération. Et là, euh, je, 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 je revis, je, 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 je sens que de, toutes les addictions, notamment de, dans, dans le domaine de l'impureté que j'avais, etc., les addictions tombent, je commence à être heureux, je commence à, à pouvoir... Euh, et, et je réalise une chose, c'est quand je suis bien dans mon cœur, quand je suis bien avec Dieu, les disputes cessent, <laughs> les choses se mettent en place euh, dans la paix, mais naturellement, sans effort. Et ça, c'est extraordinaire. Toi, tu vis le, le changement, tu es spectatrice du changement de ton mariage. Ouais, moi, je, je suis tout simplement en train de me dire à ce moment-là, ça y est, celui que je voulais, c'est celui-là. Wow. Il est en train de devenir l'homme de Dieu parce que ça va très vite. Mm -hmm. Sa repentance va durer des mois, mais son changement est... Tellement radical, même pour ceux qui le connaissent. Et, et, et j'ai envie d'exagérer. Le changement, c'est pas dans un mois, deux mois, c'était vraiment journalier. C'est-à-dire de jour en jour, il était différent. Il commençait à m'aimer comme Christ dit celui qui, qui, qui doit renoncer, qui doit se sacrifier. Pour sa, pour sa femme, pour son épouse. Et, et donc là, mais c'est juste exceptionnel. c'est je, je suis tellement heureuse et honorée de partager la vie de Sylvain. Pour moi, c'est juste un pur bonheur d'être à ses côtés. On est assez inséparables, je dois dire. Le Seigneur a fait une œuvre juste exceptionnelle et puis nous a donné surtout trois, trois magnifiques enfants. enfants qui ont suivi cette histoire, parce qu'on n'a jamais voulu en avoir avant notre restauration. Oui. J'ai vraiment attendu ça. Et le Seigneur euh, bah, nous a bénis avec nos, nos, nos merveilleux Exactement. enfants. Exactement, et Sylvain est devenu ce, ce père aussi que tu attendais d'avoir. Parce oui. que toi qui ayant grandi un peu sans ton papa, j'imagine que tu avais aussi une attente à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Sylvain, euh, je ne veux pas exagérer, mais euh, il a vraiment une révélation juste extraordinaire de ce que c'est aussi un papa. Et comment il prend soin de ses enfants. Il s'en occupe vraiment de manière juste extraordinaire. Et euh, ben je, je t'en te, remercie. <laughs> je profite vraiment. Et, et c'est juste un bonheur. Voilà. Et le Seigneur a, a vraiment, quand il fait les choses, il le fait entièrement. Mmh. Entièrement. Il n'y a pas de retenue. Et, et je pense que c'est au-delà de toute espérance. Vraiment. Aujourd'hui, on le, on le sert avec nos enfants. C'est ça, c'est que vous êtes une famille vraiment qui sert Dieu, oui. vous êtes un couple uni. Oui. Et, euh, et vraiment, ce que vous aviez toujours rêvé, en tout cas toi, Jessica, oui. au niveau de ce couple qui sert Dieu, cette vie, tu la vis pleinement aujourd'hui. Et c'est juste extraordinaire. On rend vraiment gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans votre couple. C'était peine perdue, c'était face au mur, mais Dieu l'a fait, il vous a vraiment restauré. Vous êtes un couple magnifique, je peux en témoigner, oui. vous connaissant beaucoup. un petit peu maintenant. Et vraiment, on remercie le Seigneur et je vous remercie, vous, d'être venu raconter votre histoire et encourager d'autres couples qui passent par la même situation. Merci. Merci. Un témoignage encore une fois glorieux de ce que Dieu peut faire dans la vie des couples. Tu as parlé du témoignage de, de ton beau-frère, d'Anthony mm -hmm. et Stéphanie dans l'émission Vite Fois que vous pouvez aller découvrir sur TV.com Il y a eu d'autres témoignages qui ont eu lieu également sur ce plateau dans l'émission Parole de Femmes aussi. Il y a, y a beaucoup, beaucoup d'histoires et peut-être que vous avez écouté plusieurs fois ces histoires en disant wow, « Waouh, ouais !» et puis ça vous a encouragé, vous y avez cru. Puis les jours ont passé, il s'est passé de nouveau un mot, une parole, un geste mmh. déplacé mmh. et ça a fait que poum, vous vous mmh. êtes dit « Non, finalement, ça ne marchera pas. » Je veux vraiment que vous puissiez décider que cette fois-ci, vous allez absolument tout faire et rien lâcher jusqu'à ce que votre couple sorte la tête de l'eau. Vous prenez cette décision, vous allez tout faire et vous soumettez pleinement votre volonté à celle de Dieu pour recevoir sa stratégie, recevoir ses conseils, recevoir sa sagesse, pour savoir comment vous allez faire pour restaurer ce couple. Dieu a une solution. Il a un plan parce que le divorce n'est pas son plan, n'est pas sa solution. Donc si vous décidez d'être réellement participant, participante pour sauver ce mariage, vous allez voir, Dieu va intervenir, Dieu va le faire. Et je veux juste prier pour vous quelques instants, Père, je te prie maintenant pour ces couples qui sont à la dérive, qui sont certains en miettes. Je te prie, Père, au nom nom de Jésus, de venir amener une restauration surnaturelle dans leur vie. Amen. Seigneur, tu as entendu le cri de mon frère, le cri de ma sœur. Je te prie de parler à leur cœur distinctement, Seigneur, de leur donner la stratégie, Amen. le plan que tu as prévu pour sauver ce couple. Père, tu es Dieu et ton esprit habite en eux. Alors je te demande, Seigneur, d'intervenir avec puissance, ouais. de faire déborder d'amour leur cœur l'un pour l'autre pour Amen. que ce couple revive et ressuscite au oh, nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci à vous pour ouais. cette belle émission. Merci Nadine pour ta pensée aussi qui je pense a, a beaucoup touché nos téléspectateurs et leur a redonné de l'espoir. Mm -hmm. On va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Et Omer, on te retrouve dans quelques semaines, je te le dis déjà. Oh, ouais. il, est, il est plein de joie. Allez, bonjour chez vous.